Il est 1h du matin quand arrivent les premières douleurs. Le bras, le torse, c'est peut-être le cœur. Elle appelle son fils au milieu de la nuit pour lui expliquer son mal et la vie qui s'enfuit. L'enfant la rassure, s'il voit un problème, il va le régler. Il allonge sa mère, la couvre doucement sur le canapé. Regarde rapidement sur internet pour connaître les causes. Il est inquiet, sa mère allongée, ça lui parle de thrombose. Il a décroché le téléphone, fait le 18, les pompiers. Le retour a été rapide, l'écoutant a envoyé un camion équipé. Le standardiste est plutôt gentil, lui demande de ne pas raccrocher. Il faudra peut-être réagir rapidement, masser et éventuellement la ranimer. Dans ces cas-là, personne n'est rassuré, l'attente a fini. Le souffle de sa mère a ralenti petit à petit, elle est un peu étourdie. Il tourne en rond dans le salon comme un fou, il sait que le temps compte et que chaque minute le désavoue. Les pompiers sont en route, ils n'aiment pas trop ce quartier, ils ont raison, sont de suite accueillis par des cailloux et des mortiers. Ils stoppent le véhicule, appellent la police pour les sécuriser, les forces de l'ordre arrivent pour essayer de les dégager. Il a décroché le téléphone, fait le 18, les pompiers. Le retour a été rapide, l'écoutant a envoyé un camion équipé. Le standardiste est plutôt gentil, lui demande de ne pas raccrocher. Il faudra peut-être réagir rapidement, masser et éventuellement la réanimer. Dans l'appartement, la mère suffoque entre en tachycardie. Les pompiers n'arrivent pas à avancer, ils sont dans leur camion groggy. Dans l'immeuble se joue une fois de plus une tragédie. À l'arrivée des secours, trop tard, madame était partie. Laissez passer les pompiers, ne jouez plus avec nos vies, nos et nos mères. Nous avons peu, vivons déjà au cœur de la misère. Si en plus vous vous rendez complices de leur mort, nous aurons détruit tous ceux qui nous rassemblaient une fois encore. Il a décroché le téléphone, fait le 18, les pompiers. Le retour a été rapide, l'écoutant a envoyé un camion équipé. Le standardiste était plutôt gentil et lui a demandé de ne pas raccrocher. Il faudra peut-être réagir rapidement, masser et éventuellement la réanimer. Laissez passer les pompiers, laissez vos mères être sauvées par ces camions rouges sans étiquette politique à présenter. Viendra le jour où ils ne viendront même plus à se déplacer dans nos quartiers. Nous resterons sans voix colère à nos mères décédées. Il a décroché. Fait le 18. Les pompiers. Mais ils n'ont jamais pu arriver.